Miyakara, la roue de fortune nous a réunis. Deux Italiani, seuls et perdus en Orient. Ne ressentez-vous pas ce magnétisme? Je ressens bien des choses, Messere. De la nausée en particulier. Cet homme vous importune, Sophia. Pardonnez-moi, Messere, mais je disais à cette dame... Ah! Il diavolo, une personne! N'approchez pas! Duccio, comment on se retrouve? Fuyez, Bonadonna! Sauvez-vous! Qui était-ce? Un cane. Il était fiancé à ma sœur il y a bien longtemps. Et que s'est-il passé? Son cazzo était déjà fiancé ailleurs. Chiedovenia, que venez-vous faire à cet endroit? J'ai interrompu mon travail pour récupérer un colis. Mais ils disent que les papiers ne sont pas en règle. Donc j'attends. Que c'est Katura? Tout cela peut durer des heures. Laissez-moi vous aider. Il y a des règles que j'ai appris à contourner. Vraiment? Si. Je vous retrouverai à la boutique. Bien tenté. Oh, quelle passe! Je l'ai perdu de vue! Je vois le... Tu vas mourir! Venez par ici. Je ne vous ai pas vu. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites? Ah! Il est là! Oh. Il va filer! Oh. Tu vas mourir pour ça! Sophia Sartor. Perfetto. Dis, c'est quoi cette poudre dont tu m'as parlé?
Celle que ton oncle se met là où je pense pour calmer les démangeaisons. Les temps ont bien changé. Super, malgré le séisme, mais quand pourrons-nous frapper pour refaire de Constantinople le cloaque corrompu et misérable de nos rêves? Rentrez chez vous! Tu vas mourir, vermine! Descends ou je vais me...
Bonjour, Ezio. Alors ? Madame Igella Sofia Sartor Libraia, Constantinopoli. Oh non, il est endommagé. Comment l'ont-ils mis dans un état pareil ? Bien, elle a l'air intacte. Oh, magnifique. C'est une copie d'une carte de Martin Waldseemüller. Vous voyez ? Les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci. Pauvre Cristoforo Colombo. L'histoire s'écrit d'une étrange manière. Et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici ? Un nouvel océan, peut-être. La plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée. Incredibile. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Bien. Vous avez tenu parole. À moi d'honorer ma promesse. Si nous avons vu juste, ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre. Je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Une petite cinquantaine, ça devrait suffire. Perché ridi? Pardonnez-moi, votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie. C'est même exaltant. Grand Dieu, que répondra cela ? Grazie, Sofia. Je reviendrai.